Allez, salut tout le monde. Jérôme, il m'a dit qu'il allait me faire un bon tour. Il appelle ça un akan. Je veux voir. Après, je valide ou je valide pas. Allez, fais-moi plaisir. Allez Thierry, bon normalement je suis censé prendre deux spectateurs. Oui, Alors je te le fais déjà. parce que je sais que tu connais pas, enfin tu connais pas. Tu sais forcément ce que je vais faire, mais tu vas voir qu'avec ce type de truc c'est vraiment génial. Deux petits Bristol ou deux petites cartes de visite, hein, on s'en fout. Donc tu vas jouer les deux spectateurs. Mais D'accord. avant de faire quoi que ce soit, c'est très important. Je vais mélanger les cartes. D'accord? Bon, on n'est pas obligé, de toute manière on s'en fout, mais je les laisse là. Ce que je vais te demander, alors bien sûr tu vas le faire et moi je vais me tourner, trouver aucun intérêt. Tu vas penser à une carte, n'importe laquelle, Je dans peux le prendre le jeu. 8 de trèfle. Tu peux prendre le 8 de trèfle, oui. Mais tiens, si le 8 de trèfle il t'inspire, du coup je change. Non, tu prends la carte que tu veux, dans ta tête, tu y penses et tu la notes, comme ça tu la dessines. Alors, si tu as pensé à 8 de trèfle, Va, je vais me mettre tu comme mets ça tout le monde peut hein, voir. le Et mieux toi, c'est tu que tu dessines dis. le nom de la carte, un hein, 8 et un trèfle. Au J'ai moins comme compris. ça tout est visible. Allez, moi je regarde pas parce que si j'aurai la caméra, effectivement, on va dire que je Alors. vois. Donc tu notes une carte, celle que tu veux. Bon, je rappelle bien que tu fais les deux spectateurs, hein, Thierry. Hein. Normalement, j'ai besoin d'en avoir deux, mais C'est bon. là, visiblement, il n'y en a pas qui viennent au magasin, donc C'est ça sera bon. pas à toi. C'est bon? Oui. Tu mets la carte face en bas, Ça y est, je comme ça vois on la pas, voit. voilà. Et on voit Et pas au d'ailleurs, tout travers. ça pour pas. Elle c'est où? Allez hop. Hein, et hop, chut, on la met à l'intérieur, on met comme ça, c'est fait. Ok? Elle est cachée. Donc là, tu as une carte en tête, tu vas faire le deuxième spectateur, et alors c'est très simple. Tu vas penser à un nombre entre 1 et. Alors je sais pas si. J'ai mes jokers, d'accord? Donc entre 1 et 54, puisque j'ai les jokers, donc je suppose que mon jeu il est complet, j'espère. Alors. Donc tu peux te permettre de penser vraiment entre 1 et 54. Donc un nombre, hein, deux chiffres, un chiffre, hein, ce que tu veux. Là, c'est net. C'est clean? Oui, et on voit pas au travers. C'est bon? C'est bon. Pour revenir, je Oui. vois pas. Hop, là et Elle tout est là. ça, pareil, ça. Hop, À ici l'intérieur. et tout ça. Ferme. Imagine maintenant. Je peux mettre ma main dessus? Oui, tu peux me Oui. demander. Imagine si tu avais pensé, par exemple, au 6 de pique. Oui. Mais imagine plus fort si tu avais pensé, par exemple, au 3 de cœur et que l'autre spectateur, bon, c'est toi. T'avais pensé 10. T'imagines si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et que je regarde la dixième et que la dixième c'est exactement la carte que tu as pensé, ça serait miraculeux. Oui. Ça serait quand même extrêmement puissant comme effet. T'es d'accord Quasiment avec moi? C'est impossible. quasiment impossible. Bah, c'est le principe de Nakan. C'est le principe de la canne. Mais c'était pas la carte que tu as choisie quand même, ce serait un C'était pas le miracle. 7 de pique et D'accord. c'était pas 10 non plus. Quelle carte tu as choisie? Elle était noire. Oui, Je et. te dis tout. Oui. De Dame toute de façon, je trèfle. touche plus rien. Dame de trèfle. Et tu as mis quelle position entre 1 et Le 54? 13, au Est-ce chiffre que. porte-bonheur. Sûr, il n'y a pas de triche? Pas Tu d'embrouille. m'embrouilles pas? Dame Dame de de trèfle. trèfle. Et Et 13, 13, voilà. ok. Je ne retouche pas le jeu. Ça veut dire que là, si on compte 13. T'imagines si tu comptes 13 cartes et que la 13e c'est la dame de trèfle, J'achète. c'est un miracle. Je te laisse compter, Je une peux par compter une. là? Oui, Je peux les vas-y. retourner même? Oui, tu peux les retourner. Une, 1, 2, deux, alors on va faire 3, trois, 4, quatre, 5, cinq, 6, six, 7, 8, huit, 9, neuf, ah, roi de trèfle, 10, dix, 11, onze, 12. douze. Attention, pose la 13e ici. Non, je la mets là Voilà, que. non, mais pour te dire que la 14e c'était le 6, la 15e un joker et ainsi de suite. Non, dame de pique et ainsi de suite. Tu peux retourner s'il te plaît? Ouais, Et je si à la rate. 13e, effectivement, c'est la dame de trèfle, Putain. c'est un miracle et tu peux Oh dire putain putain. Ah, parce c'est que bon. c'est vraiment vrai. En plus, je vois bien que c'est pas des cartes ni Ah ben de toute truquées. façon, je C'est un suppose jeu que complet. forcément, forcément que tu sais comment ça marche, mais t'as vu comme l'idée est bonne. Comme l'idée est bonne de faire un akan C'est au moment où tu l'as qui est finalisé que aussi j'ai pur. compris, mais c'est vrai pas mal. Ça tue ça. C'est vrai que là c'est bon ça. Ça tue surtout si t'as les deux spectateurs. Bon là c'est toi qui dis la carte, toi qui dis le nombre, mais imagine tu fais ça à un couple,
Le mari, la femme, eh bien, finalement, on peut dire qu'ils ont un lien, tout ça, il y a une cohésion entre les deux. Non, c'est génial. C'est vraiment génial, voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi, Le mais Hakan avec ça, c'est bon. c'est une bombe atomique. C'est vrai que c'est un AK, il n'y a pas besoin de se prendre la Ah tête. ben non. Et c'est excellent. Pas besoin de jeux truqués, Excellent, pas besoin excellent. de techniques particulières compliquées. C'est vrai que c'est le AK Pour les nuls. pour les nuls. Le Hakan pour les nuls. Putain, c'est bon. Presque nuls. Oui. Bon, ben on valide. Normalement, vous l'aurez Voilà. dans la vente de ce tour, du portefeuille. Allez, on valide. Tu m'en fais un autre? Allez, je t'en fais un autre.